la cuvée Sabina du domaine Del Rey, donc qui se situe sur l'appellation Mori, Mori sec. On connaît les Mori doux, hein, les vins doux naturels, mais ici c'est un Mori sec, donc c'est un vin sec, vinification traditionnelle. Comme on est en Mori, on est sur des beaux terroirs de schiste. Au niveau des cépages, Grenache, Syrah, Carignan, et donc un vin assez particulier. On va voir, en tout cas à découvrir. Au niveau de la robe, une belle robe grenat pourpre soutenue, bien violacée, avec une viscosité impressionnante. Un nez tout sur le fruit. Alors c'est marrant, on a ce côté fruit noir, donc un peu cassis, un petit peu myrtille, un peu mûr. C'est vraiment superbe au niveau de la netteté de ses arômes. Et on a derrière un côté presque un peu biscuit. On pourrait dire spéculoos, hein, comme on est sur le territoire belge. Quand on parle de spéculoos en France, ils ont du mal, mais ici on peut le dire. Donc le nez est vraiment superbe, d'une grande pureté. Rien que pour ça, c'est un régal. Alors, quand on le travaille un peu, et quel fruit, ça c'est impressionnant. Ah, c'est vraiment très très joli ça. Au niveau de la bouche, on a une superbe matière, on a de l'acidité, on a un peu de tanin quand même présent. C'est frais, c'est vraiment très agréable. Au niveau de la rétro-olfaction, c'est extraordinaire de fruits. C'est vraiment ce petit côté fruit noir, là, c'est très très agréable. Au niveau des accords mets vins sur ce genre de vin, déjà il faut se dire que c'est plaisant à boire maintenant, qu'on peut garder ça 4-5 ans si on veut, mais maintenant c'est déjà superbe. Et je dirais que je pense que c'est maintenant qu'il faut le boire. Au niveau des associations, on arrive dans les périodes de gibier, donc associer ceci avec des gibiers ou des viandes rouges puissantes, avec des sauces réduction de vin rouge ou des sauces un peu fruits noirs, c'est juste magnifique quoi. On est tout sur le fruit, on a en plus l'acidité et la structure tannique qu'il faut pour la cuisson de biche ou d'autres gibiers qu'on va servir un petit peu rosé, donc c'est vraiment superbe à boire maintenant. Donc je vous invite à découvrir cette cuvée et je pense que ça va vous plaire.